5122, c'est le chiffre annoncé au comité d'entreprise extraordinaire d'Air France à Paris ce matin. 5122 postes équivalents temps plein qui devraient être supprimés d'ici fin 2013. Si l'on compte les 1712 départs en retraite prévus d'ici là, la direction estime que le sureffectif à résorber est à ce jour de 7%. Soit 2056 personnes au sol, 1442 personnes à Paris et 614 en province, 904 personnes navigantes et 212 pilotes. Ces chiffres font bondir les organisations syndicales, d'autant que selon Éric Genest, délégué syndical CGT à Toulouse, la direction ne dit pas aujourd'hui comment elle compte résorber ces sureffectifs. On pressent que tout dépendra de la signature ou non de l'accord d'entreprise qui prévoit notamment un blocage sur les processus d'évolution des salaires et un réajustement du volume de travail. Toulouse sera-t-elle impactée par le plan de réduction des effectifs? À Blagnac, on compte un peu moins de 2000 personnes au sol et à terme environ 350 personnes navigantes basées dans la ville rose. Les chiffres ville par ville devraient être dévoilés au prochain CE le 28 juin.